Si vous êtes un membre premium, votre menu est conçu par sos-cuisine.com pour être équilibré. Ainsi, avant d'y appliquer des exclusions, vous devez vous assurer d'avoir choisi le menu qui répond le mieux à vos besoins. Par exemple, si vous n'avez pas de conditions médicales particulières et ne mangez pas de viande, vous pourriez être tenté de choisir le menu plaisir en santé et d'exclure les viandes. Mais sachez que vous auriez un menu plus équilibré en choisissant directement les menus pesco-végétarien ou lacto-ovo-végétarien. Voyons un autre exemple. Si vous souffrez de reflux gastro-œsophagien et ne mangez pas de viande, vous devriez d'abord choisir le menu reflux gastro-œsophagien et ensuite exclure les viandes. Si vous cochez une exclusion, elle s'appliquera à tous vos menus à venir, sans exception. Ainsi, si vous aimeriez avoir moins de viande dans vos menus, sans pour autant l'éliminer complètement, il est préférable d'utiliser le bouton « Changer le repas » plutôt que les exclusions. Ce bouton vous permettra de remplacer certains repas à base de viande par des repas végétariens. Si vous avez un doute, notre équipe est à votre disposition pour vous aider à choisir le menu et les exclusions qui vous assureront de recevoir des menus parfaitement équilibrés et adaptés à votre situation. Pour vous offrir un service personnalisé en fonction de vos préférences, intolérances et allergies alimentaires, nous avons créé les exclusions. En indiquant les aliments que vous souhaitez exclure, tous vos menus et vos recherches de recettes tiendront compte de vos exclusions pour un service plus personnalisé que jamais. Pour exclure des aliments, allez dans mon profil. Cliquez sur l'onglet « Préférences alimentaires » et descendez à la section « Exclusions courantes ». Cette section contient une liste des aliments les plus fréquemment exclus. Au bas de cette section, vous trouverez la boîte « Chercher d'autres aliments à exclure ». Cette boîte vous permet d'exclure des aliments que vous n'aimez pas du tout. Par exemple, le brocoli. Il faut choisir ces exclusions avec beaucoup d'attention. En effet, si on exclut une catégorie donnée, on exclut indirectement tous les ingrédients de cette catégorie. Par exemple, si vous excluez les agrumes, toutes les recettes qui utilisent du jus de citron seront exclues de vos menus et de vos recherches. Si le jus de citron n'est pas un problème, mais que vous ne voulez pas d'orange, plutôt que de cocher la case « Agrumes », écrivez « Orange » dans la boîte « Cherchez d'autres aliments à exclure ». Faisons un autre exemple. Si vous cochez la case « Soya », le tofu, le lait de soya, le miso, la sauce de soya, les indénamés et tout autre produit de soya seront éliminés, ce qui est très bien si vous êtes allergique au soya. Par contre, si vous souhaitez seulement ne pas manger de tofu, alors il vaut mieux écrire « tofu » dans la boîte, chercher d'autres aliments à exclure. Voyons un dernier exemple. Si vous êtes allergique au poisson, cochez la case « Poisson allergie ». Cela exclura tous les ingrédients contenant du poisson, même ceux qui n'en contiennent que des traces, telle la sauce Worcestershire. Par contre, si vous n'aimez pas le goût du poisson, cochez la case « Poisson aversion ». Cela exclura les recettes contenant du poisson, mais pas celles contenant seulement des traces de poisson. Évidemment, vous pouvez combiner des exclusions. Par exemple, vous pourriez créer un menu halal en cochant les cases « Alcool » et « Porc ». Une fois que vous avez entré vos exclusions, cliquez sur le bouton « Sauvegarder les changements » pour qu'ils soient enregistrés dans votre profil. Notre fonctionnalité pour exclure des aliments vous assure que tous vos menus sont compatibles avec vos préférences alimentaires. Pour comprendre comment cela fonctionne, prenons un exemple. Un membre premium est abonné au menu Cœur en santé et décide d'ajouter l'exclusion légumineuse dans son profil. Lorsqu'il retourne à mon menu, les recettes non compatibles avec ses préférences alimentaires sont mises en évidence. Pour que le menu devienne conforme, il suffit de cliquer sur le bouton « Rendre compatible ». Le système remplacera automatiquement les recettes incompatibles par d'autres qui satisfont toutes les préférences alimentaires du membre.
Cette opération peut prendre quelques secondes car elle nécessite beaucoup de calculs informatiques. Lorsque vous recherchez des recettes, notre fonctionnalité pour exclure des aliments vous assure de trouver des recettes compatibles avec vos préférences alimentaires. Lors d'une recherche de recettes sur la page des résultats, les recettes incompatibles avec votre profil sont mises en évidence. Elles apparaissent voilées. Vous pouvez donc choisir en toute tranquillité parmi les recettes non voilées.